À Kinshasa en date 17 février 2017. Le bureau politique de Bounou Diamayal, BDM en sigle, s'est réuni ce mercredi 8 février 2017 pour examiner la situation de l'air ayant trait à la rencontre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec quelques notables Congo qui accompagnaient le gouverneur du Congo central, M. Jacques Mbadou. Après avoir suivi avec regret et indignation les propos de certains notables présents à cette rencontre, le bureau politique de Bounou Diamayal, BDM en sigle, relève ce qui suit. 1. Par leur initiative, le gouverneur Jacques Mbadou et certains notables Congo veulent distraire le public pour camoufler les problèmes du nouveau massacre des Bakongo qui vient d'être perpétré au Congo central, plus particulièrement à Kisantu, à Mbanzangungu, qui fois des défications de Kwilungongo, à Lukala, Kimpese et Songololo. 2. De quel injure s'agit-il? Qu'ils disent en public, au public, quand, où, pourquoi et comment cet injure a été proférée. Aussi, il présente la dite injure à la face du monde pour une appréciation objective. N'a-t-on pas dit, le passé nous rattrape toujours. Tôt ou tard, la vérité finira par triompher. 3. Il ne s'agit pas ici de la chasse au non-originaire. Il s'agit plutôt de la réaction du peuple de Congo contre les propos injurieux et irrévérenciés tenu par M. Matezo de Dantezo Papi à l'endroit du leader de Bakongo, l'honorable Mwanda Nsemi, son ancien chef hiérarchique et fondateur du parti Bounou Diamayal. Pour preuve, quel est ce non-originaire qui peut témoigner à Kisantu jusqu'à Songololo que le peuple s'est attaqué à lui et à ses biens? Et quel est ce non-originaire qui peut affirmer qu'il a été menacé d'expulsion du Congo central au cours de ces massacres planifiés? Waya, Lufunu, Wafuna, Vioka, Volekele, Tungululo, et Poutou, Dufiona, Yazengi, dit la sagesse Congo. 4. Les notables Congo ont reconnu lors de leurs interviews, après la dite rencontre, les frustrations du peuple Congo. Mais qu'en est-il pour les présenter au tenant du pouvoir afin qu'elles soient solutionnées? 5. À partir des déclarations de notables Congo, le bureau politique de Bounou Diamayal, BDM en sigle, constate avec regret l'irresponsabilité de la classe politique Congo qui abandonne son peuple, victime de toutes sortes d'injustices, de discriminations, et qui vit chez lui comme dans un territoire conquis. Kiadi, Baba notable Congo, Kadi Batambudidi, Yekula Mvuluzi, Akanda dia Congo. Bidiam Pasi, Kalumwenene, Kalunzei Kwe, Nganani, Waluku Lidie, Ngunza, Kalunzei Kwe, trois fois Kiadi. Enfin, le bureau politique de Bounou Diamayal, BDM en sigle, affirme qu'il connaît les complots qui se trament derrière cette initiative du gouverneur Jacques Mbadou et de ses acolytes. Par cette même occasion, il les invite à organiser davantage ce genre de colloques pour rendre compte au peuple Congo de sa gestion calamiteuse de la province du Congo central, plutôt que de comploter contre les leaders bien-aimés de tous les Bakongo. Mais malheur, malheur, malheur aux pêcheurs en eau trouble, car
ils trouveront le peuple Congo sur le chemin, car gare à la 5e colonne Congo. Fait à Kinshasa le 9 février 2017 pour le parti Bundudia Mayala, Basangana Ndunga, président national, Ngoma Mpenzo, directeur du bureau politique. Je vous remercie. Ajoutez, vous êtes un Rwandais, vous avez une femme, vous engrossez votre femme, elle met au monde un enfant, un garçon. Et de commun appel, le papa et la maman appellent cet enfant Hippolyte Kanambe. C'est le nom qu'a donné le papa et la maman à leur garçon. Quand le papa et la maman appellent leur garçon Hippolyte Kanambe, ce n'est pas une injure publique. Si Némanda Semi l'appelle Hippolyte Kanambe, ça devient une injure publique. Hey, vous connaissez le français? Demandez aux Français si appeler un enfant par le nom qu'elle lui a donné son papa et sa maman, c'est une injure publique. Mais moi, je n'ai plus le temps de discuter avec vous. Je suis prêt à frapper n'importe qui. Je n'ai plus le temps à discuter. Je vous donne une semaine. Sinon, je vais frapper. C'est tout. Bon. Moi, avant de devenir député, j'ai travaillé à Mamayembe. Mais Mamayembe, c'est un grade bas. Je suis devenu député. Mais vous ne trouvez pas que dire que Némanda Semi c'était un travailleur de Mamayembe, vous encouragez les gens de Mamayembe. Vous voyez, quelqu'un a travaillé ici, mais comme il a aussi bien travaillé, il est devenu député. Maintenant, quelqu'un a été taximène à Dar es Salaam. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas un seul métier, que c'est un encouragement aux taximens, que Boba Ngaté, vous pouvez monter et devenir même président de la République, comme l'autre, comme Hippolyte Kanambe, taximen à Dar es Salaam. Je persiste et je signe, c'est tout. Vous ne trouvez pas que c'est un encouragement aux taximen pour leur dire, voyez, vous êtes taximen, vous êtes devenu président de la République. Si même vous travaillez bien, vous dépasserez certains universitaires. Vous ne trouvez pas que c'est un encouragement pour les taximens. Mais vous appelez ça injure publique. Le français n'est pas votre langue. Demandez aux Français si c'est une injure publique. Mais si vous persistez, soyez prêts, parce que dans 2 semaines, moi, je vais frapper. Je vais frapper. Moi, je veux frapper. Si vous prenez avec ces bêtises, finis la récréation. Ah.